Quand l'IA prédit le bon virus pour détruire des bactéries. Je suis Aude Bernheim, chercheuse en microbiologie et génétique. De plus en plus de bactéries sont résistantes aux antibiotiques. Si rien n'est fait, les infections bactériennes deviendront la première cause de décès dans le monde devant les cancers en 2050. Il est très difficile de créer des nouveaux antibiotiques. Par contre, des alternatives existent. C'est le cas des phages. Ce sont des virus qui infectent des bactéries. Ils sont capables de détruire des bactéries pathogènes pour les humains. L'utilisation des phages pour se débarrasser des bactéries est une technique ancienne qui a plus d'un siècle. On appelle ça la phagothérapie. L'un des défis majeurs aujourd'hui est de prédire quel phage peut tuer quelle bactérie. D'abord, nous avons testé 350 000 combinaisons phage-bactéries sur 3500 boîtes de pétri. Si on les empilait les unes sur les autres, cela ferait la hauteur de Notre-Dame de Paris. En étudiant ces interactions au niveau des génomes bactériens, nous avons identifié les caractéristiques qui rendent chaque bactérie sensible à un phage donné. Nous avons mis au point un modèle d'intelligence artificielle qui analyse spécifiquement l'ADN bactérien. Grâce à l'IA, nous pouvons prédire correctement 85% des interactions phage-bactéries simplement en utilisant la séquence des génomes bactériens. Cela nous a permis de designer des cocktails de phages personnalisés efficaces à plus de 90%. Nous espérons maintenant pouvoir appliquer cette approche à d'autres bactéries et ouvrir la voie à des traitements personnalisés pour contourner la résistance aux antibiotiques, un très grand problème de santé aujourd'hui.